de consolation que connaît l'être humain est impossible à rassasier. Un problème qui puisse être résolu en divisant la lumière par l'obscurité ou les jours par les nuits. C'est un voyage imprévisible entre des lieux qui n'existent pas. De mots que puisse imaginer mon cerveau. Étant donné que je cherche à m'assurer que ma vie n'est pas absurde et que je ne suis pas seul sur la terre, je rassemble tous ces mots dans un livre et je l'offre au monde. En retour, celui-ci me donne la richesse, la gloire et le silence. Vers une libération temporaire. Je devrais dire peut-être la vraie, car à la vérité, il n'existe pour moi qu'une seule consolation qui soit réelle. Celle qui me dit que je suis un homme libre, un individu inviolable, un être souverain à l'intérieur de ses limites. Qui convient à la vie. Au fond, le temps est un instrument de mesure sans valeur, car il n'atteint que les ouvrages avancés de ma vie. Je sais que les rechutes dans le désespoir seront nombreuses et profondes. Mais le souvenir du miracle de la libération me porte comme une aile vers un but qui me donne le vertige. Une consolation qui soit plus qu'une consolation et plus grande qu'une philosophie. C'est-à-dire une raison de vivre. Une raison de vivre.